Sans plus attendre, nous accueillons le maître de ces lieux, qui est un grand magicien, petit par la taille, mais grand par le talent. Il tient cette merveilleuse boutique et je vous demande d'applaudir, comme il se doit, notre ami Thierry qui va pénétrer dans vos pensées. Thierry! Je vais vous faire un vieux tour de mentalisme qui fait appel à un organe le plus mystérieux du corps humain, c'est le cerveau. Je vais essayer une expérience. Pour cela, je vais prendre quelqu'un qui sait bien dessiner, au hasard. Je ne tombe pas la tête, c'est bien ça. Tu peux venir. Tu auras le droit de faire des visages et tout, tu vas voir. Super. Allez, vas-y, tu montes. Je vais tenter une expérience, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on va faire appel à la télépathie, à la transmission de pensée. Tu touches rien, c'est bien. Alors tiens, voilà. Tu vas prendre ce stylo et tu vas dessiner, tu sais, faire un genre de pendu, la tête, comme quand on était petit, là, une tête, ouais. Un trait, les jambes, et c'est tout, et les bras. Je fais la potence aussi. Non, pas. Je fais que le monsieur. Avec la corde et... Non, 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 que le monsieur. Avec la corde et la langue qui pend. N'oublie pas la langue qui pend. Non, tu fais juste la tête, le corps, les bras et les jambes. Et les yeux. Pas les yeux. J'ai dit que j'en voulais pas de poser. On n'aime pas les enfants. C'est bon. Tu me poses à côté, on n'en a plus besoin. D'accord. À côté. On fait vite. Donc voilà, mais à partir de maintenant, ça commence. Sylvie, tu vas prendre n'importe quel feutre, au hasard, celui que tu veux. Moi? Oui. Ça y est, j'ai pris. C'est bon, tu as pris? Et tu vas dessiner, par exemple, une paire de chaussures. Tu n'es pas obligé de faire une paire de chaussures de marque. Une paire de chaussures, voilà, tu dessines, tu colories bien, et comme ça, on le voit bien. Je rappelle qu'elle n'est pas complice. Pas vrai, Sylvie? Ah non. Dès que tu as fini, tu poses à côté, on n'en a plus besoin. Ensuite, tu prends un autre stylo, un autre feutre de la couleur que tu désires. Et tu dessines, par exemple, un t-shirt, un beau t-shirt. Et tu le colories bien. Je rappelle qu'elle aurait pu prendre une autre couleur ou encore une autre et faire comme elle a voulu, mais à ce moment bien précis, elle a choisi de dessiner avec celui-là. C'est vrai ou pas, Sylvie? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je vous ai pas présenté, si vous connaissez. Tu poses à côté, on n'en a plus besoin. Vous voyez? Oui. Ah, tu prends une autre feutre, n'importe lequel, celui que tu désires. Et tu fais un pantalon. T'as déjà fait un pantalon, non? Oui. Non, mais là, t'avais pas fait? Non, j'ai pas fait. Alors, tu fais un pantalon. Tu le dessines bien, comme ça, tout le monde le voit de loin. Donc, en fin de compte, elle est en train de dessiner un petit bonhomme, tout habillé, avec des couleurs qu'elle a envie. Et on va voir si l'expérience que j'avais envie de vous réaliser va fonctionner. C'est bon, tu poses à côté, il en reste 10 feutres. Deux. D'accord, t'en prends un au hasard. Oui. Alors là, tu peux dessiner, pour une fois, tu as le droit, les yeux, la bouche, le nez. Et les... non. Pour ceux qui ne connaissent pas Sylvie, elle ne sait pas peindre les visages. Ça y est. Et les mains, pardon. Ah, les mains avec le même crayon. Allez, avec les... tu fais les mains. Et je rappelle que, je ne l'ai pas dit encore, par là, il doit y avoir une enveloppe, je ne sais pas si vous la voyez, ouais. Au-dessus de Sylvie. Ça y est. Et il reste peut-être un stylo, voilà, oui, tu prends. Et là, tu dessines les cheveux. Donc j'ai fait, avant de commencer le spectacle, j'ai pris un enfant et j'ai demandé de faire un dessin au hasard. Il a pris le stylo, il a fait son petit dessin. Et je l'ai mis dans cette enveloppe qui est derrière moi. Je peux me retourner, voilà, ici il y a une enveloppe. Sylvie a dessiné ce dessin. Avec mes cheveux beaux, hein, noirs. On est beau. Magnifique. Le t-shirt bleu. C'est plus le pantalon vert. Je peux parler? Ça va être direct.
les chaussures rouges, ça va être dur avec ses dignes, et les mains jaunes avec la bouche jaune et les yeux jaunes. Combien de chances il y a que ce jeune homme que j'ai pris tout à l'heure aux arts, il ait fait exactement la même chose? Zéro. Il y a des millions de chances, millions, millions, parce qu'il aurait pu faire peut-être les cheveux rouges, mais il aurait pu mettre le t-shirt, non, les cheveux noirs, mais il aurait pu mettre le t-shirt bleu, ou vert, ou rouge, ou jaune. Et ainsi de suite. Tu peux ouvrir cette enveloppe, s'il te plaît? J'apprends. Tu vas arracher une place, je te dirai, voilà. Tu la montres à personne, tu la regardes toi. De quelle couleur t'as fait les cheveux? Moi, j'ai vu ici noir. Ouais. Et ici noir. Les yeux, la bouche, le nez? Jaune. Jaune. Moi, j'ai un t-shirt bleu et toi? Jaune. Bleu. Le pantalon? Vert. Vert. Les chaussures? Rouge. On va la montrer à tout le monde. Non. C'est exactement le même. Et merci pour ces applaudissements. Il s'appelle Thierry et Sylvie. Voilà, on va faire un petit peu de ménage.